Salut mes King Family, on est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais besoin de pantalons. Hein? Mais moi, je ne maigris pas. mes pantalons commencent à être trop petits. J'ai magasiné aujourd'hui. J'ai même acheté des pantalons, c'est ça que vous voyez là. Que je vais vous montrer mes pantalons aujourd'hui. Ça fait changement de vidéo que je fais d'habitude. C'est ça qui est ça. Vous avez vu aussi que j'avais fait une vidéo tantôt de cuisine. Au début, j'étais supposé de faire deux vidéos de cuisine, mais quand j'ai vu que la première vidéo durait pas beaucoup de temps, qui était pas longue, j'ai dit pourquoi pas mettre les deux recettes ensemble. En tout cas, c'est ça qui est ça. C'est pour ça que il n'y a pas eu de vidéo hier, mais la vidéo de cuisine que vous avez vue aujourd'hui, j'ai fait une recette hier et une recette à soir. C'est pour ça qu'elle a été déposée aujourd'hui. Mais avant de vous montrer mes pantalons, je veux vous parler de la fameuse légende du vin, la fameuse légende qu'il y a eu sur YouTube de la loi COPPA. Maintenant, je peux vous en parler et de rire de vos rire de des gueules. Ben oui, de rire des gueules des parents, franchement, quand c'est pas vrai cette loi-là, et c'est des peu mensonges. Et maintenant, on le sait maintenant que c'est des peu de mensonges. S'il y a quelqu'un qui m'astine encore là-dessus, qui disent la loi COPPA, prouve-moi-le. Pourquoi qui ont dit qu'à partir du 20, il y aura plus les likes, les abonnés, les commentaires, qu'il y aura plus ça sur YouTube. Et malheureusement, on est le 20, et même on est bientôt dépassé le 20, on est bientôt 21, et il y a encore tout ça! Moi, je trouve ça dégueulasse de mentir à leur enfant. Pareil, les parents sont forts là-dessus, hein. Moi, j'ai jamais menti à mon enfant. J'ai tout le temps, il a jamais cru au Père Noël, mon gars. Et c'est bien correct de même. C'est chacun les parents. Il a jamais cru à la fée clochette ou au licorne et tout ça. Mais il aime le monde fantastique. Il aime rêver à penser que c'est vrai. Mais il sait la vérité, et c'est ça. Hein? En tout cas, c'est ça qui est ça. Hein? Arrêtez de dire n'importe quoi. Maintenant, je pense que qu'il va y avoir beaucoup d'enfants aujourd'hui. Désolé, les parents, mais qu'il va vous battre. Désolé le thème, mais il va vous battre. Il va vous massacrer parce que vous lui avez menti en face. Les gens disaient à vos parents d'arrêter de vous mentir et d'arrêter de bloquer vos commentaires. Regarde. Oui, ok, je trouve ça correct qu'on bloque les commentaires des plus jeunes de, disons, en bas de 7 ans. Ça, c'est correct, mais arrêtez de dire que ah, oh, mais c'est pas nous, c'est la loi de COPPA! Mais non, c'est pas vrai. Ils disent pas la loi COPPA. Et déjà, premièrement, si YouTube avait fait ça, ben, il y en aurait parlé sur, à radio, sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur des contacts plus que tout le monde peut voir, comme la radio. Tout le monde écoute la radio à un moment donné, ou la télévision, dans les nouvelles, ou dans le journal, dans une place vraiment publique, qui est gouvernementale, qui est d'une compagnie, que c'est ça. Mais là, non, sur YouTube, c'est même pas YouTube qui fait une vidéo pour dire que ça dit cette loi-là, là. Hein, c'est des youtubeurs ben normal comme moi. Comme moi, ouais, sérieusement, comme moi. Hein, malheureusement. Et qui raconte que la loi COPPA, c'est quoi, nanana. Et qui est aussi du monde qui écrivent c'est quoi la loi COPPA sur des forums. Mais c'est du monde comme moi qui écrit ces articles-là sur forum que c'est pas fiable. C'est ça. Que des purs mensonges par-dessus des mensonges. Franchement. C'est comme l'autre loi qu'il y avait eu qui disait qu'il n'y aurait plus de live pub sur YouTube. Quand malheureusement il y en a encore qui en font des live pubs et qui sont pas bloqués. Le monde ne sont pas bloqués.
C'est comme. Et aussi l'affaire de que on peut plus faire de vidéos avec de la musique. En fin de compte, regarde, t'sais, Mireille, vous savez c'est qui Mireille, il fait juste ça, des vidéos de musique, que c'est elle qui a, et c'est toutes des tunes connues quand même, assez, là. Que tu vois, et ses vidéos sont jamais bloquées. Que vous voyez que YouTube, c'est un. Moi, je pensais qu'il y avait juste l'harcèlement, YouTube et tout ça, mais même là, il y a encore pire que ça sur YouTube qui est une catastrophe. Il faut arrêter ça. Franchement, inventer des choses par-dessus des choses, ça sert à rien, là, la gang, là. Franchement, ça sert à rien. Les parents, je vous conseille de faire attention à ça parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui va vous frapper. Il y a beaucoup de. Vos enfants vont vous frapper. Franchement, je vous le dis. Et vous l'avez mérité. Sérieux, là. Ok, c'est ça. Bon. Je vais vous montrer mon linge. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai quatre pantalons qui viennent du Jean Bleu. Et deux pantalons de jogging qui viennent du Walmart. C'est ça. Que c'est ça, que ça. Mais les deux pantalons de jogging, c'est pour mon travail, parce que je suis confortable dans des pantalons de jogging. Mais premièrement, je vais montrer un de mes jeans, le premier jean, et c'est mon préféré en plus. C'est celle-là. C'est mon préféré, c'est celle-là, avec des motifs, comme vous voyez. Hein? Vous voyez des motifs là, là. Hein? Et là, il y a ça de même. C'est super beau. Voilà comment il est fait. Il est super beau ce patin, ce jean-là. Hein? Et en arrière, c'est fait de même. Okay, c'est ça. Hein? Après, on a ce pantalon-là. Lui, je l'ai acheté. J'ai acheté en deux couleurs. Déjà, premièrement, je l'ai acheté de cette couleur-là. Hein? Et ben, ouais, c'est un pantalon. C'est pas un jean, c'est un pantalon un peu style chic. Hein? Okay. Je l'ai acheté de cette couleur-là. Hein, qui est un peu gris. Hein? Et je l'ai acheté en version noire. Hein? Que c'est ça. Hein? En version noire. Hein? Et comme ça. Hein? C'est le même modèle, mais en version noire. Hein? Que c'est ça. Hein? Et les poches sont faites de même en arrière. Hein? Que, ouais. C'est ça que ça. Hein? Et après, le dernier. Que j'ai acheté au Jean Bleu, c'est ce jean. Oui, je vous dis pas les prix parce que, bon, en tout cas, allez voir au Jean Bleu si vous êtes québécois, mais la plupart du monde qui me suit sont français ou belges. Voilà, ça c'est le jean, il est super beau. Ça c'est un jean un peu foncé, et en arrière il est fait de même. C'est ça qui est ça. Et les deux pantalons de jogging, les amis. Il y a celle-là. Hein? Il y a celle-là qui est. C'est un pantalon de jogging bien normal, là. Voilà. Ben normal. Avec un bouton. Hein? Et deux lacets. Hein? Qui est bien normal. Hein? Et l'autre est comme ça. Lui, il n'y a pas de bouton. En tout cas, c'est ça. C'est un pantalon de jogging bien normal, là. Okay, c'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça qui est ça. Ça fait changement que mes vidéos que je fais d'habitude. Mais que c'est ça. La semaine prochaine, il va y avoir ça va être mon histoire. Je vais continuer mon histoire. Oui, l'année prochaine. J'ai vraiment dit l'année prochaine. Je voulais dire la semaine prochaine, malheureusement. La semaine prochaine. Wow! La semaine prochaine, ça va être la suite de mon livre. Ben, une partie de la suite de mon livre. J'ai acheté des nouvelles petites voitures pour ma collection, que je vais vous montrer ça aussi la semaine prochaine. Ben ouais, que je vous donne un aperçu de deux vidéos qu'il va y avoir la semaine prochaine. Je vous dis c'est quoi qu'il va y avoir la semaine prochaine. Que c'est ça. Que moi je vous laisse là-dessus et bye le king.
Damn, mommy.